Donc nous allons vous présenter les différents postes de musculation qui composent la salle du top training, en commençant par le bloc rouge qui est destiné à renforcer les membres supérieurs et en commençant par ce premier poste qui est un poste qui travaille la force de pulsion de bras qu'on appelle en anglais le push down, pousser vers le bas avec ses bras et qui est un travail de renforcement localisé sur les triceps. Sur le plan de la respiration, on souffle bien sûr dans la poussée des bras et on inspire dans le retour de flexion. Le deuxième poste du bloc rouge qui a pour objectif de renforcer les épaules par un travail de pulsion de bras vers la verticale, la respiration se faisant dans la phase la plus fatigante de l'effort, c'est-à-dire en montant, et bien sûr l'inspiration se faisant en descendant. Le dos est bien plaqué sur le dossier. Chaque appareil est réglé avec des pédales de pied pour augmenter ou réduire la charge de travail. Le troisième poste du bloc rouge est un poste qui complète le poste précédent de développé nuque, qui permet de renforcer le faisceau postérieur deltoïde et les muscles transversaux du dos. Très intéressant pour la corrective du dos. Et sur le plan de la respiration, on souffle dans la phase la plus fatigante de l'effort quand on pousse, bien sûr vers l'arrière, et on inspire sur l'avant. Nous terminons sur le dernier poste du bloc rouge, qui complète le premier dans un travail de flexion d'avant-bras sur le bras et qui a pour but de renforcer les biceps sur un dos bien plaqué en dossier, sur des coudes bien plaqués sur les coussins d'appui. Et un travail qui va se faire ici en alterné, bras droit, bras gauche. On souffle dans la phase la plus fatigante de l'effort, bien entendu dans la flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc le deuxième bloc, le bloc bleu, qui a pour objectif dans son ensemble de rechercher à renforcer les muscles de la ceinture scapulo-thoracique, en commençant par le premier poste réalisé ici par Fabrice sur un travail de pec machine où on recherche à renforcer la musculature pectorale sur un travail d'ouverture et de fermeture des bras. La respiration est simple, on inspire sur l'ouverture et on souffle sur la fermeture. Le dos est placé, là encore, sur un confort très apprécié dans cet exercice. Deuxième poste du bloc bleu, un travail de tirage horizontal qui permet de renforcer les muscles transversaux du dos et donc qui fait appel à la force de traction de bras, la force régionale de traction de bras. Sur les techniques de respiration, lorsque la charge est lourde, bien entendu, il y a des techniques qui seront différentes que lorsque la charge est légère et cela demande bien entendu là un entraînement très particulier selon le niveau de l'entraînement. Le dos doit rester toujours bien droit tenu sur une position qui permet effectivement de bien travailler sur ses muscles dorsaux. Le troisième poste du bloc bleu est un tirage, lui, qui est vertical, qui a pour but toujours de renforcer les muscles dorsaux, plus particulièrement les muscles longitudinaux, et qui permettent, dans un travail de force de traction de bras, de retrouver effectivement une bonne attitude du dos par un bon renforcement musculaire. Le travail de respiration, là aussi, variera selon la charge de travail. Ici, sur une charge faible, nous conseillerons de conserver la respiration naturelle. Sur le travail de tirage, d'inspirer dans le cas de l'ouverture de la cage thoracique et de revenir en soufflant. L'inverse peut être fait également selon la convenance des pratiquants. Dernier exercice du bloc bleu, exercice de développé couché à la machine, où on recherche à développer la force régionale de pulsion de bras en y associant les triceps bien sûr, les pectoraux, le faisceau antérieur de deltoïde sur un dos qui sera bien placé avec ce placement de jambes particulier et la respiration sera simple, respirer dans la phase la plus fatigante de l'effort en poussant et inspirer lorsque l'on freine le mouvement en descendant. Donc ici, le bloc jaune par le premier poste qui est une presse à lombaire. Ici, c'est une position assise, position un peu particulière par rapport au renforcement de la masse sacro-lombaire, mais qui est très efficace dans le confort de pratique. Il s'agit d'inspirer lorsqu'on bascule sur l'avant, dos droit tenu, et de souffler lorsque l'on pousse effectivement le bras de levier vers l'arrière, sans pour autant dépasser la verticale. Donc nous restons dans une position verticale et nous allons vers l'avant en tenant toujours bien son dos. Et effectivement, c'est l'équivalent d'un exercice classique sur un banc à lombaire que nous verrons tout à l'heure.
Deuxième exercice sur le bloc jaune, qui est très complémentaire au premier, qui a pour but de renforcer les muscles abdominaux dans un travail de flexion antérieure de buste, dans une position là encore particulière, qui est une position assise, sur une machine que l'on appelle la presse abdominale, et où l'on recherche, sur le plan de la respiration, à souffler en poussant et à inspirer en revenant. Machine très confortable sur le plan ergonomique, que les pratiquants apprécient par effectivement ce confort. Pour ce confort. Troisième appareil de ce bloc jaune qui a pour but de travailler les muscles fessiers, soit dans un rôle d'extension grand fessier ou soit dans un rôle d'abduction petit-moyen fessier. Sur l'amplitude gestuelle, on contrôle bien son geste et sur la respiration, on souffle dans la phase la plus fatigante de l'effort, c'est-à-dire lorsque l'on pousse le levier vers l'arrière ou sur le côté et on inspire dans la phase retour. Le dos doit être bien tenu, le bassin fixé, les barres effectivement servant à l'appui au niveau des mains. Quatrième poste du bloc jaune, toujours pour travailler au niveau de la ceinture abdominale et ceinture pelvienne, essentiellement là sur un travail de fessier, dans un travail simultané d'abduction de jambes, dans une position assise, donc très confortable. Sur le plan respiratoire, souffler lorsque l'on écarte, inspirer lorsque l'on revient. On peut varier en restant en écarté et faire des tout petits temps de ressort extérieur. Tap, 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 voilà. Variante d'exercice. Dernier poste de ce bloc jaune, abducteur, adducteur machine, qui recherche à travailler les adducteurs puisque c'est un travail où on resserre les jambes. Et l'appareil faisant contre-résistance à ce mouvement. On recherche dans la respiration à souffler lorsque l'on serre, dans la phase la plus fatigante de l'effort, et à inspirer lorsque l'on écarte. Le dos est toujours bien placé, position assise donc très confortable, exercice aussi très apprécié pour le confort de l'ergonomie de l'appareil. Nous terminons sur le bloc vert, qui est destiné essentiellement au renforcement des membres inférieurs, en commençant par une leg press, c'est-à-dire une presse inclinée, où on va rechercher à renforcer les quadriceps par un travail de poussée des jambes. Ce qui est intéressant sur cet appareil, c'est que le dos sera toujours plaqué sur la planche d'appui, la planche de dossier, et ce qui protège bien évidemment toute la colonne vertébrale, et notamment la colonne sacro-lombaire. La respiration est simple. On va souffler dans la phase la plus fatigante de l'effort lorsque l'on pousse sur le chariot et bien sûr inspirer en freinant le mouvement dans la phase de flexion. Nous sommes sur le deuxième exercice de ce bloc vert que l'on appelle une leg extension qui a pour objectif de renforcer plus localement les quadriceps, ici dans un travail réalisé alternativement jambe droite, jambe gauche, avec un dos qui sera bien sûr plaqué sur le dossier et un réglage qui devra être fait de façon à ce que les creux poplités soient bien au bord de la table d'appui. La respiration est simple, on souffle quand on monte et on inspire quand on descend. Machine là aussi très confortable par son ergonomie et qui effectivement est très appréciée par les pratiquants et très efficace sur le plan musculaire. Les variantes d'exécution de cet appareil peuvent se faire également en action simultanée des deux jambes, toujours dans un mode de contraction dynamique, mais on peut aussi rester en isométrique sur une action simultanée des deux jambes ou sur une seule jambe. Et là, c'est intéressant effectivement dans un programme de rééducation ou en tout cas un programme qui va suivre un programme de rééducation sur le plan du renforcement musculaire localisé au niveau des quadriceps. Le troisième exercice de ce bloc vert a pour but de renforcer les ischio-jambiers dans une position qui effectivement permet de préserver au mieux la colonne sacro-lombaire, position couchée avec deux plans inclinés. C'est ce qu'on appelle une leg curl, c'est-à-dire flexion des jambes sur les cuisses. Sur le plan des exercices, on peut le faire en action alternée comme il est actuellement démontré ou simultanée au niveau des deux jambes. Dans les deux cas, la respiration sera la même. On souffle dans la flexion et on inspire dans l'extension.
Ce qui est intéressant ici, c'est que nous allons préserver effectivement la lordose lombaire qui peut s'accompagner justement lors de ce type d'exercice par l'ergonomie de l'appareil. Dernier poste du bloc vert, presse à mollet pour renforcer bien sûr les mollets dans un travail qui se fait sur le plan ergonomique en position assise et où l'on recherche tout simplement un travail d'alternance, de flexion dorsale et de flexion plantaire qui permet effectivement là de bien renforcer très efficacement les mollets. Travail localisé, on pousse, on souffle, on le relâche et on inspire. Exercice, premier exercice cardio-training sur les rameurs ergocycles qui permettent une activation cardio-respiratoire très efficace mais également un travail musculaire très complet axé sur la force de traction de bras et la force de pulsion de jambes qui doivent être très synchronisés dans l'exercice. Et cela demande donc un placement très précis du dos, un travail très synchronisé de bras avec l'action de jambes. La respiration est simple, il s'agit d'inspirer sur l'avant et de souffler sur la force de traction de bras. J'inspire sur l'avant, je souffle en tirant. Le dos doit toujours bien être tenu et le rythme peut être plus ou moins important pour avoir un impact cardio-respiratoire plus ou moins élevé. Deuxième machine cardio-training, le step machine, simulateur de montée d'escalier, qui permet là de renforcer bien entendu l'action des segments inférieurs, notamment sur le plan des quadriceps, mais qui sollicite très efficacement sur le plan cardio-respiratoire. Le degré de résistance est plus ou moins grand sur la machine, donc l'effort sera beaucoup plus important sur le plan musculaire et sur le plan cardio-respiratoire. Les programmes peuvent être faits en continuité, donc des efforts de type durée et des efforts de type par intervalle, donc l'intervalle training. Troisième catégorie de machines cardio training, les vélos ergocycles qui peuvent être régulés dans la vitesse de pédalage et qui permettent là encore de travailler sur le plan des quadriceps et sur le plan cardio-respiratoire à des niveaux d'entraînement plus ou moins élevés. Tous les appareillages de cardio-training que vous voyez derrière moi présentent un grand avantage, c'est qu'ils sont tous assistés de programmateurs d'entraînement qui permettent de gérer la durée et l'intensité de l'effort, ce qui rend l'entraînement très efficace et très facile à gérer pour les pratiquants. Donc nous arrivons maintenant sur les appareillages plus conventionnels et traditionnels. Ici un banc à lombaire pour renforcer la masse sacro-lombaire. Comme vous le voyez, c'est un positionnement complètement différent qui se pratique donc sur un travail d'enroulement et déroulement du buste en recherchant bien sûr sur le plan de sa colonne vertébrale à ne pas monter au-delà de l'horizontale par rapport aux jambes afin de ne pas hyperlordoser sur le plan lombaire. La respiration, je souffle, ensuite je déroule pour inspirer. Je peux tenir en isométrie avec un petit temps d'expiration. Voilà. Glotte à demi fermée, puis on relâche. Et on replace. Nous sommes ici devant un banc abdominal où nous allons faire un travail de flexion antérieure du buste pour renforcer bien entendu les abdominaux sur un travail dans un premier temps d'élan de bras tendu, donc élan de bras tendu, en appui lombaire sur l'expiration. On inspire et on souffle. Variante dans les placements des bras, les bras croisés sur poitrine, enroulement lombaire et on déroule. Une deuxième fois. En soufflant ici et en déroulant. Et enfin, plus difficile, la troisième possibilité de placer les mains derrière la nuque et de venir effectivement sur l'enroulement lombaire, appui lombaire, flexion antérieure donc
du buste. La respiration sera toujours la même. On souffle quand on va sur la flexion antérieure et on inspire lorsque l'on déroule la colonne sur le banc. Troisième exercice sur appareillage traditionnel, le banc de développé nuque, où l'on recherche, comme pour l'appareil guidé, à développer à la verticale les bras, la barre derrière la nuque, où on recherche à renforcer les muscles des épaules. On y associe bien sûr la force de pulsion de bras. La respiration sera exactement la même. Soufflez en montant dans la phase la plus fatigante de l'effort, inspirez en descendant. Le dos est bien plaqué sur le dossier et bien sûr, il faut rechercher à bien contrôler sa barre durant tout le mouvement. Donc, travail avec charge directe, barre et disque. Nous abordons maintenant le banc de développé couché qui permet effectivement, comme pour l'appareillage guidé, de développer la force régionale de pulsion de bras en associant le travail des pectoraux, des triceps et du fessentaire du deltoïde avec bien sûr charge directe, ce qui veut dire que plus grande maîtrise de la barre et de l'équilibre ou des déséquilibres qui peuvent se créer au cours du mouvement. La respiration étant la même, je souffle dans la phase la plus fatigante de l'effort, c'est-à-dire quand je pousse, et j'inspire dans la phase descendante, freinatrice. La variante, à côté, le développé incliné, donc qui permet de travailler légèrement différemment le groupe des pectoraux dans sa partie plus supérieure, et qui permet effectivement d'apporter une variante d'entraînement sur la force régionale de pulsion de bras avec les mêmes techniques de respiration, mais un placement différent puisque travaillant sur un plan incliné, banc de développé incliné. Exercice maintenant de renforcement des muscles dorsaux dans la force régionale de traction de bras avec une prise pronation à la barre fixe où il s'agit de tirer sur ses bras pour amener la nuque à la hauteur de la barre. Démonstration avec Christophe. Donc, cela correspond à un exercice de tirage vertical que l'on peut avoir sur l'exercice guidé que nous avons démontré tout à l'heure avec la dorsibar. Exercice ici aux barres parallèles de répulsion de bras qui permet de renforcer localement les triceps et qui, effectivement, va se faire sur un travail de flexion, extension, avant-bras sur bras. Position en appui au départ sur les barres parallèles. On va descendre à la demi-flexion bras avant-bras et remonter. Sur le travail en respiration, on inspire en descendant, on souffle en poussant. Et on essaye, effectivement, là, de bien travailler localement sur la répulsion des bras par l'action de ses triceps. Exercice avec le cadre guidé de flexion, demi-flexion de jambes, qu'on appelle des squats, des demi-squats. Donc l'exercice ici se fait en pleine sécurité parce que le cadre effectivement est guidé, la barre est guidée par un cadre et cela permet effectivement une grande sécurité à la pratique. L'exercice donc sera de faire une demi-flexion de jambes en essayant de placer son bassin bien vers l'arrière, son dos bien tenu, et sur la respiration, inspirer en descendant pour venir pousser dans la phase la plus difficile de l'effort, c'est-à-dire l'extension des jambes. Ce qui sollicite bien évidemment le travail des quadriceps d'une façon dominante, mais cet exercice est un exercice très complet qui travaille aussi la chaîne postérieure du corps, notamment la chaîne ischio-fessier-lombaire. Que vous venez de voir, recherche le développement de la condition physique générale et bien sûr le développement de l'endurance cardio-respiratoire. Il est destiné à tout public, le public sédentaire bien sûr, mais également le public sportif dans une phase de reprise d'entraînement ou le public culturiste dans une phase de récupération active dans des entraînements de type intensif. Le cours que vous venez de voir se forme sur une boucle fermée à répéter plusieurs fois où nous faisons évoluer les pratiquants de poste à poste. Il y a deux pratiquants par poste, chaque pratiquant fait une série par poste et réalisera plusieurs tours de circuit, ce qui permet effectivement de développer leur endurance musculaire, cardiovasculaire et respiratoire.
le travail qui a été effectué et réalisé devant vous est un travail en intervalle training, en 30 secondes de repos, 30 secondes de travail. Un temps de travail, un temps de repos. Il pourrait se réaliser avec un temps de travail et un demi-temps de repos. Par exemple, 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Et dans ce cas, les pratiquants se trouvent seuls au poste pour les exercices et les rotations. Il inclut bien entendu 14 postes de travail très complets visant le développement et le renforcement des grands groupes musculaires avec des intensités de charge légères sur la durée de l'effort et également avec une fréquence relativement élevée. Le cardio training est important dans le circuit training car il permet effectivement de bien activer le système cardio-respiratoire. Cette méthode peut se pratiquer sous une forme collective, mais bien sûr, peut se pratiquer dans une forme individuelle. Dans ce cas-là, le pratiquant est en autonomie de gestion, mais travaille à partir d'une fiche de programmation d'entraînement. C'est une forme de pratique qui est très intéressante dans la mesure où elle peut faire cohabiter, je le répète, tout. C'est l'entraînement à la puissance qui combine force et vitesse. Cette qualité, nous la retrouvons dans un effort de type explosif, c'est-à-dire dans la majorité des activités sportives. C'est pour cela que le power training sera essentiellement destiné à un public sportif. L'effort qui a été pratiqué devant vous est un effort aux particularités très précises. Sur le plan de sa durée, très courte durée, moins de 10 secondes de la série. L'effort de récupération entre les séries est relativement long. Dans un entraînement plus traditionnel de power training, il peut aller jusqu'à 3 minutes selon l'exercice et le niveau d'entraînement. Quant à la durée, à l'intensité de l'effort, il va correspondre à 75% du test maximal sur une répétition. C'est un effort donc beaucoup plus difficile et il doit s'inscrire dans une programmation pluriannuelle d'entraînement sur des pratiquants qui ont le niveau de supporter une telle charge d'entraînement. Le circuit de power training est une forme très particulière qui fonctionne comme le circuit training sur une boucle fermée que l'on va répéter plusieurs fois et où les pratiquants vont évoluer de poste en poste sous la direction de leur entraîneur ou du professeur. L'alternance travail-repos qui a été proposée dans ce circuit était d'une minute inter-série, deux séries par poste par personne avant de changer de poste. Ce type de travail est très intéressant pour les sportifs qui permet de bien combiner leur entraînement spécifique et leur préparation physique à leur activité.
and may the force be with you. They told the truth of how babies are born.
À la fin de ce cours bien, bien difficile sur le plan technique, mais aussi sur le plan de l'effort et le plaisir partagé, j'espère que vous aurez fait le lien entre ce que nous avons montré sur le plan des différents thèmes de fitness, les objectifs et puis la réalité du terrain, celle que l'on retrouve tous les jours dans les salles de fitness avec la clientèle, parce que c'est pour elle que nous travaillons et nous efforçons au maximum de les satisfaire, autant sur le plan de leur progrès technique, mais aussi de leur efficacité sur le plan de leur entraînement physique et de leur forme physique, et bien sûr sur la détente morale, le plaisir partagé, je crois que c'est ça qui compte. Donc j'espère que vous aurez retrouvé dans cette cassette vidéo-film sur le fitness le plaisir que nous avons en tout cas à nous retrouver ensemble dans les salles de fitness sur nos activités. Merci à vous.